Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé une méthode en fait. Enfin, je vous explique du début, c'est encore mieux. Je me suis aperçu que la consanguinité dans mes enclos, enfin avec mes entre mes animaux, c'était quelque chose qui était vraiment pas bon finalement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mes animaux, ils ont leurs gènes qui sont de moins en moins bons, et du coup, ils sont de moins en moins fertiles, et du coup, la population diminue. Donc, ce qui se passe, c'est que j'essaie de trouver une méthode pour gérer cette consanguinité, et j'en ai trouvé une sur internet qu'un mec m'a expliqué, qui semble du moins plutôt efficace. Donc, en fait, le truc, c'est que déjà, de base, il faut avoir un animal de chaque sexe. Enfin, quand on crée un nouvel enclos, on prend un animal de chaque sexe, donc un mâle, une femelle, qu'on définit comme reproducteur. Et du coup, on leur met un petit R derrière, de reproducteur. Donc comme ça, ce sera toujours ces deux-là, nos reproducteurs, dans notre enclos. Tous les autres, on va les mettre en M. Ça veut dire M, ça veut dire qu'on va les laisser mourir en fait, on va les garder uniquement pour qu'ils soient là pour gérer le social de enfin la population, pour que notre groupe soit socialement heureux. Ensuite, quand on va avoir à chaque fois qu'on va avoir des naissances, du coup, on va les passer soit en M, soit en G. Donc on va regarder, hop, G, ça veut dire qu'on va le garder. Donc on va regarder, par exemple. Est-ce que j'en ai là? Je suis pas sûr que j'en ai. J'en ai pas. Dans tous ceux que j'ai dans mon zoo, j'en ai pas gardé beaucoup, je crois. Tiens, par exemple, celui-ci. Si je prends ses gènes à lui, voilà, il a des gènes qui sont pas trop mal. Il y a des gènes qui sont pas trop mal. En plus, il a une médaille dorée, ça veut dire qu'il a une bonne. Qu'il a des bons gènes. Donc lui, j'ai décidé de le garder. Donc lui, quand il sera adulte, ce qui va se passer, c'est que là pour le moment il est jeune, donc dès qu'il. Donc pour le moment il me sert à rien en fait. Il va grandir. Et dès qu'il va passer en jeune adulte, il va pouvoir commencer à se reproduire. Donc là à ce moment-là, poum, je vais le sortir, je vais l'envoyer dans mon centre d'échange. Les animaux qui sont dans le centre d'échange ne vieillissent pas. Alors ça c'est un super avantage parce que du coup, je vais pouvoir le garder de côté. Et dès que mes autres animaux qui sont reproducteurs vont devenir un peu vieux. Je pourrais les relâcher dans la nature et intégrer celui que j'ai gardé. Mon mâle, bon là typiquement ça va être un mâle. Donc là lui dès que celui-ci il va être trop vieux, boum, je le relâche dans la nature. Ou je le vends, hein. Enfin voilà, je m'en débarrasse. Et je passe mon mâle à l'intérieur. Le truc c'est que ma femelle reproductrice va sûrement être sa mère. Donc en fait il faudra que j'enlève sa mère, que je la vende avec, et que j'achète une nouvelle femelle. L'avantage à faire ça, c'est que notre mâle, ils vont avoir plusieurs portées. Donc du coup, je vais accumuler des crédits de préservation et acheter une nouvelle femelle, ça coûtera normalement moins que les crédits que je vais avoir gagnés. Et voilà. Et si l'animal, bon, on veut pas le garder, on met vendre. On met un V pour vendre. Qu'il soit à vendre. Comme ça, dès qu'on a la petite notification là, voilà, par exemple, elle, Aluna R, va être adulte. Donc là, je sais qu'elle, elle va être adulte, et je sais ce qu'il va falloir que je fasse d'elle. Donc R, ça veut dire que ça va être une reproductrice. Et du coup, j'ai trié quasiment tous mes animaux. Je dis bien quasiment parce qu'il y en a certains. Par exemple, voilà, là je viens d'avoir une naissance de phacochère, donc on va aller voir. Phacochère, les gènes, c'est moyen. C'est moyen. C'est un mâle. C'est un mâle. Peut-être bien qu'on va le garder celui-ci. Peut-être bien qu'on va le garder celui-ci. Hop, voilà, on va le garder celui-ci. Tiens, j'en ai eu un autre là. Et lui, voilà, lui il est nul, donc lui on le vendra. L'idée c'est pareil, c'est de garder uniquement un mâle, enfin de manière générale de toute façon, quand on va dans la zoopédie, qu'on regarde ici, les groupes, c'est souvent
un mâle, enfin c'est très très souvent un mâle et X femelles. Donc le but c'est aussi de garder qu'un seul mâle. Après, enfin de le garder, ouais, de n'avoir qu'un seul mâle dans notre enclos. Et bon, d'en garder qu'un seul, les autres on va les vendre, même s'ils ont des. Si j'en ai d'autres, si j'ai déjà un qui est en G, je vais pas en garder plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, on le vendra aussi. Hop. Paf. Voilà. Donc là, il me restait. Alors après, les animaux de. Comment ça s'appelle? De vivarium, c'est nettement moins important. Donc là, il me restait deux ou trois espèces à gérer, je crois. Donc les springbok. Donc déjà, on va se débarrasser de tous ceux qui sont vieux. On va regarder. Je dois pas en avoir beaucoup parce que je crois que j'avais déjà fait le tri. Voilà. Donc lui, on va le relâcher dans la nature. Bon, on s'embête pas. Clac. On revient là. Là, on va trier sur les springbok. Parfait. Alors, j'ai un mâle alpha. Donc déjà, ce qu'on va faire, je crois, je pense, c'est qu'on va garder uniquement. Enfin, là, on va pas s'embêter. Ah, j'en ai un qui est comment ça s'appelle? Albinos. C'est pas courant. Enfin, je commence à avoir des albinos. Peut-être trop de consanguinité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de tous ceux qui n'ont pas de médaille, parce que j'ai pas mal de. Ah oui, mais je peux pas vendre ceux qui sont jeunes, c'est vrai. C'est pas grave, on va s'en débarrasser quand même. Hop, qui ont pas au moins une médaille. Hop. Clac. Parce qu'en plus, ma population de Springbok est beaucoup trop élevée. Hop, relâcher la nature. Donc là, il y en a plusieurs que je vais pas pouvoir relâcher. Voilà. Ils sont trop jeunes. Hop là. Ensuite, on revient ici. Alors là, c'est pénible, ça perd le filtre à chaque fois. Springbok. Ensuite, il faut qu'on essaie de se trouver un mâle qui a des bonnes stats. Bon, lui, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. C'est juste au niveau de la taille qu'il est un peu petit, c'est pas grave. Ah, celui-ci est pas mal. Celui-ci est bien. Salim. Ça pourrait être notre producteur. Lui, il est pourri. Il est pourri. Lui, il est moins bien. Moins bien. Moins bien. Pourquoi des fois ça change d'onglet? Moins bien. Moins bien. Immunité 100, c'est pas mal quand même. Mais bon, il a une taille plus petite. La taille, c'est important quand on va les revendre. Ok. Alors lui, il est pas mal. 67, 67, 83. Et le premier là que j'avais vu, lui. Il est un peu mieux. Ok. Donc on va garder lui comme reproducteur. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller virer ses parents et ses frères et sœurs. Donc là. Alors faut que je désectionne tout d'abord. Paf. Paf, voilà. Alors, Adebago. Hop, Sadiki. Sadiki, elle est là. Clac. C'est un mâle. De toute façon, on va virer tous les mâles. Déjà. On gardera qu'un seul mâle. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai pas fait d'ailleurs. Ok, donc on garde lui, on a dit. Alors, paf. Tous les mâles qui sont adultes, on va les vendre. Hop. Mâle, mâle, mâle. Il est où le mien? Pas le mien d'ailleurs. Hein? Hop. Et peut-être que lui, on va le garder. Qui avait des bonnes stats, hein. C'est lui hein, qui a les bonnes stats, ouais, je crois. Peut-être qu'on va le garder lui. Ok, donc maintenant, alors, Narkaesha, elle est là, pouf, Suma, pouf, Akono, ça c'est les mâles, 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 Suma, Suma, ah il y en a deux, Suma. Oui,
Il y en a deux Suma. Hop, très bien, donc ça on s'en débarrasse. Chouk. Ah, il y en a plusieurs que je peux pas. Pourquoi? Trop jeune. Gestante. Ah mince. Hop, donc ça on va les relâcher. Déjà, premièrement. Ensuite, on va essayer de trouver des femelles. Des femelles reproductrices. Alors, je pense qu'on va pouvoir virer toutes les non-médailles. Hein. Oh, les gestantes, elle. Donc, elle, on va marquer qu'il faudra la vendre. Lui, on va le garder. Lui, on va le vendre. Lui, on va le vendre. Lui, trop jeune aussi, donc lui, on le vendra. C'est fiou. lui, on va le vendre aussi. Hop. Ok, les femelles maintenant. Elle, on va la vendre, ouais, on a dit. Pourquoi on a dit qu'on la vendait, elle? Ah oui, parce qu'elle a pas de médaille. Elle, on la vend. Tac, elle, on la vendra aussi. Ça, on relâche dans la nature. Clac. Ok. Donc là, on est bon. Springbok. Tac. Ensuite, on va essayer d'en trouver qui ont des bonnes stats. Alors, elle est pas mal. Elle a pas une bonne taille, mais c'est pas mal. C'était laquelle? Elles ont la même stat, elle? Non, c'est juste que ça veut pas me last. Pourquoi je peux l'attraper, elle? Ah, parce que c'est celle que je viens de vendre, non, à tous les coups. Ouais, je pense. Alors, génétique. Pas mal, et on va la vendre. Ouais, à part la taille, c'est pas mal, hein. Oh, elle est bien. Alors, elle, reproductrice. Ok. Si on peut en avoir plusieurs productrices, c'est pas mal. Alors, elle, on a dû la vendre. Ouais. Ouais, non, elle, on va la vendre, clairement. J'aimerais bien avoir des bons gènes, surtout en fertilité et en immunité. C'est important. Ça, c'est pas mal, immunité 67, pof. Ah, elle, elle est bien. Ah oui, bah oui. Et oui, elle est déjà reproductrice. 100 et 67 à chaque fois. Ah, c'est un mal. Oseille. alors, bon, et ben on va en passer. Elle, on va la passer reproductrice aussi. Elle n'y est plus. Elle, on a du lave. Ah non, elle est gestante. Celle-ci. On va la passer reproductrice. Comment elle s'appelle? Cambo. Reproductrice. Ok. Alors, attendez, on va juste faire un truc. Je vais juste... Hop. Je ferme, je roule. Hop, ça je m'en fiche. Ouais. Allez, oh là. Objet d'un échange, oui. Alors. Springbok. Donc, on a dit. Elle. Ouais, reproductrice aussi. Ok, tac tac. Donc, elle. Elle a exactement le même stat qu'elle, quoi. 100, 167. 33% en taille. Elle est mieux, elle, quand même. Elle, on va la garder, on va la mettre en M pour les stats, enfin pour le social, voilà. Et du coup, on va la stériliser. En plus, elle était un peu plus vieille. Ok, touk touk touk. Elle, on a dit qu'on allait la vendre. Elle, on va la vendre. Elle, c'est notre productrice. Celle-ci. Oh, elle peut être productrice aussi.
Hop. Touk. Vendre, vendre, garder. Bah c'est bon, ils ont tous une note. On est bon. Donc là, on est bon sur les Springbok. Donc, hop, hop. Il me restait deux espèces, je crois, après les Springbok. Ah oui, les Variroux. Le problème des Variroux. Alors là, ça va être long, je pense. Alors, les Variroux. Variroux. Oh là là, en plus eux ils doivent déjà être beaucoup trop sûrement. Oui voilà. C'est ce qui me semblait. Alors, eux. Ça va être compliqué. Déjà, on va virer tous ceux qui n'ont pas de médaille, qui sont adultes, qui n'ont pas de médaille. Genre, lui, lui, lui. Lui, enfin même les pas médailles d'or, en fait, paf. 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 Ok, donc déjà tout cela, on les dégage. Comment ça? Ah, gestante, zut. Hop, ça fait un peu de ménage. Tchouk. Les varions. Ok, maintenant faut que je trouve mon mâle reproducteur. Lui, il a 2325. Ah, c'est parce que c'est un jeune. Oh, alors lui, il est pas mal. Alors lui, il est pas mal. Lui, ça peut être mon reproducteur. Alors je veux juste vérifier un truc, parce que je crois que eux, justement, c'est une des espèces où c'est plusieurs mâles pour plusieurs femelles. Ah non, un mâle pour 29 femelles. Ok, très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, on va essayer de trouver notre meilleur reproducteur possible. Alors lui, il a 92, 75, 67, 100. Ah, je préfère lui déjà. Donc attendez, on va essayer de choisir déjà. Oh, alors lui, fertilité, immunité, c'est parfait ça. Ah, c'est une femelle. Alors elle, c'est une très bonne reproductrice. Un mâle, lui on s'en fout. Mâle. Non. 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 Non plus. Oh. Oh oh oh. Lui, il est pas mal. Comment il s'appelle lui? Oni. Oni. Ouais. Non. Non. Bon, et eh bien ce sera Oni notre producteur. Hop! Il est déjà un peu adulte. Je sais pas combien de temps ça vit. Hein. On verra. On verra, on verra. Donc tous les autres mâles, on s'en débarrasse. Tous les autres mâles dont on peut se débarrasser. Tac. Donc Oni, on le garde. C'est notre producteur, on a dit. Les autres mâles, ils dégagent. Hop, 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 hop. Relâche à la nature. Paf. Alors, eux, ils veulent pas mal d'argent. Hein. C'est cool. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai comme animaux là-dedans? C'est tout parti. Parfait. Les varioux. Ok, donc maintenant, tous les mâles qui restent. Lui. Ah, mais il est pas adulte. Oh bah c'est pas grave, tant mieux. Attendez, je me suis gouré. Ah, il y en a deux qui s'appellent Oni. Ah, ils ont des noms qui peuvent revenir. Alors lui, à vendre. Lui, on le vendra. Lui, on le vendra aussi. Quand il sera adulte. Lui, on le vendra aussi. Ok. Paf. Et lui, on le vendra également. Hop. Très bien. Maintenant les femelles.
Les femelles. Ailes reproductrices. Pouf. Ailes. On en est où dans le social, la 16? Je pense qu'on peut en enlever encore quelques-uns. Elles, on va s'en débarrasser. Donc celles qui sont gestantes, on peut pas s'en débarrasser. En même temps, elles sont pas mal. En même temps, elles sont pas mal. On va dire que c'est des reproductrices, elles. Elles sont pas mal du tout. Ok, celle-ci. On la vendra. Celle-ci. Celle-ci, on va la vendre. On va s'en débarrasser. Ok, celle-là. Celle-ci, on va la vendre. Elle n'a pas de médaille. Elle fera la vendre aussi. Dès qu'on pourra. Ok. Celle-ci. Ouf. À vendre. Celle-ci à vendre aussi. Celle-ci. On va la garder en reproductrice. Elle. On s'en débarrasse. Elle. Oh, pas mal celle-ci. Reproductrice. Elle. Oh, pas mal. Reproductrice aussi. Elle. Elle, on la vend en dos tout de suite. Celle-là, on va la garder. Faut qu'on en garde quelques-unes pour faire du social. Elle. Oh, pas mal celle-ci. Bah, reproductrice. Hop. Lui, c'est le mâle qu'on va vendre. Cette femelle-là, hop. Bah, pareil, elle, on va la garder juste pour le social. Celle-là, on va la laisser reproductrice. Celle-là, oh, reproductrice aussi. Ah, comme ça, on a pas mal de reproductrices. C'est pas mal, c'est une bonne chose. Hop, celle-là on les relâche. Clac. Ok, donc là maintenant, nos varirous, ils doivent être plus ou moins heureux, je pense. Au niveau social, c'est bon. Donc c'est cool. Maintenant, vipère heurtante, tiens, on va s'en débarrasser de celle-ci. De la femelle là, hop. Voilà. Les zèbres maintenant, ils sont bien bien développés les zèbres. Optimisation. Ah, il va falloir que je regarde les optimisations là des animaux. Bah lui, ça va être notre producteur là, le mâle alpha. Hein. Il est bien. Il est vieux. Il est vieux, 18 ans. Waouh, j'avais pas vu. Peut-être qu'on pourrait passer lui en mâle reproducteur. Ou lui, quand il sera adulte. Il est pas mal. Parce qu'après j'ai que des femelles. Après j'ai que des femelles. Il est pas mal en vrai lui, hein. Ouais, il est pas mal.
Il est pas mal. Il a une bonne longévité. Fertilité, immunité, c'est pas mal. Je pense qu'on va mettre lui en reproducteur. Et du coup, ces deux-là, on va les relâcher dans la nature. Alors attendez. Lui, c'est sûr, parce qu'il est vieux. L'autre, c'est moins sûr. L'autre, c'est moins sûr. Peut-être que l'autre, on va le vendre. 12 ans. On va l'envoyer au centre d'échange, on verra ce qu'on en fait plus tard. Ok. Revenons à nos moutons, plutôt à nos zèbres. J'en ai beaucoup qui sont gestantes. Alors, elle a pas de médaille, on va la vendre. Elle, c'est pareil, on va la vendre. Elle, on la va la vendre. Elle, on va la vendre. Elle, elle est déjà trop vieille. Je peux peut-être même plus la relâcher dans la nature déjà. Ah, elle est au cabinet vétérinaire. Voilà, pas tarder à crever quoi. Bon, on va la laisser mourir ici. Celle-ci. Oh, elle a pas des gènes terribles. Hein. Ah. Elle, ça va être notre reproductrice. J'espère juste qu'elle n'est pas de la même famille que lui, j'ai pas vérifié. Aïe 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 aïe. Ah non, c'est sa sœur. Ah oh, ils sont tous frères et sœurs là, j'ai l'impression. On va virer toutes les femelles. On va virer toutes les femelles et on va en acheter. Je crois que ce sera plus facile. Hop. Oh non. Ouais, bon. Génial. Zèbre. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que toutes les femelles, vu que je veux pas, hop, m'en occuper. On va toutes les mettre comme ça. Donc elle, non. On va mettre M. Ils sont peut-être déjà trop, non, les zèbres. Je sais plus. Allez. Pourquoi je peux pas faire ça? Voilà. Social. 4 adultes? Ah bon? Attendez, il y a un problème. Hop, hop. Hop, zèbre, claque. Ah oui, j'ai que 4 adultes dans l'enclos. Alors, toutes celles-là, on va les dégager. Ouais, les femelles, on va toutes les virer. Alors, on va essayer d'aller. Alors, j'ai. Lui, on va essayer de le vendre. Là, on va aller voir les zèbres. Ce que ça coûte en espérant qu'on ait des femelles, oui, 5 000. Aïe, ça pique un peu. 4 ans, enfin, je vais prendre elle, clairement. Clairement, je vais adopter elle. Allez hop. Je peux me le permettre. Alors les dorés, les mâles dorés. Ouais, au moins 2 ou 3 000. Hein. Ouais, ils ont des bons gènes après. Moi, le mien, il n'est pas. Oh si. Oh si si. Alors là, on va le mettre à 3 500. Allez hop. Elle, on va l'envoyer dans le zoo. C'est où l'enclos des zèbres? C'est ici. Hein. Ouais. Hop. Et du coup, ça va devenir ma reproductrice. C'est qu'elle est. C'est elle? Non, centre d'échange. Elle n'y est pas encore.
Zèbre. Voilà. Non. Jafari, ça doit être elle. Centre d'échange. Non. Non. Déplacement vers 8 à 21, c'est bon. Bien-être faible. Qu'est-ce qui se passe avec les lions? J'ai un problème avec les lions. On va aller voir. On va aller voir. Alors, tac. Zèbre. Alors là, on est vraiment dans de la pure gestion, hein. Pourquoi je la vois toujours pas là? Faut attendre qu'elle arrive dans le. Un animal s'est échappé, c'est mon lion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il saute comme ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils ont un bien-être faible? Pourquoi il saute encore ici là? C'est encore un bug de ça là. Waouh! Point d'évasion en sautant. Voilà. Il y a des trucs bizarres des fois. Animal malade découvert. Ah, ils ont tous lâché leur ballon en même temps. Ok. Animal malade découvert, zut. La campylobactériose. Et ça, c'est parce que l'habitat est sale. Alors. Voilà, lui il va être adulte, voilà on voit. Donc on va attendre un petit peu qu'il soit adulte et on le vendra. Normalement là je dois pouvoir récupérer le truc. Voilà, est adulte. Est adulte. Je peux mettre pause. Tac tac, donc si je viens là, bam. Elle, je peux l'envoyer directement. Relâcher la nature. Vu que j'avais mis de la vendre. Hop, je relâche la nature. Ensuite, il y a lui qui était à vendre. Paf. Pareil. Rush à la nature. Hop là. Voilà, c'est quand même nettement plus facile de gérer comme ça. Tac tac, donc ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Ça c'est quoi? J'ai une nouvelle mission, c'est tout. On s'en fout. Là c'est fini, oui. Hop. Va être adulte, ok. Donc, quand ils vont être adultes, c'est que pour le moment ils ne le sont pas encore. Alors, j'en étais où moi? Mes zèbres. Mes zèbres. Elle est passée où ma reproductrice que je viens d'acheter là? Elle est encore pas dedans? Eh, je dois pouvoir la vendre. Adulte, hop, toc, combat dû à la surpopulation. Ah, c'est pour ça aussi qu'ils essaient de s'échapper. Alors, attends, stop, zoo, les lions. Ah oui, oula, pouh, ça fait beaucoup. Alors, on a dit qu'on allait les vendre. Surpopulation, et eh ben, pouf, pouf. Pouf, pouf. Hop. Clac.
Voilà. Et normalement, là, on devrait être pas mal. 4, très bien. Surpopulation. Je ne sais pas. Je suis pas à fond, là. Alimentation, truc alimentaire. Général. Faut que je regarde les stats générales là, de mes animaux. Un peu tous. Faut que je fasse le point. Voir. Je crois qu'il y en a certains qui sont un peu faibles en optimisation. Qui pourraient être optimisés. Donc reprenons. Les zèbres. Les zèbres. Pourquoi je ne la vois pas, ma femelle zèbre là que je viens d'acheter? Zèbre des plaines. Où c'est qu'elle est? Mais quoi? Pourquoi je la vois pas? Pourquoi il y est pas? Stop, 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 stop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie moi, non? Alors attendez, lion. A eu un ou des petits? Ok, donc il va falloir gérer les springbucks. Les hippotrags, voir ceux qui n'ont pas de notes. Toi, t'es à vendre. Hop. Toi, t'es à vendre aussi. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Bon. J'ai des springbok qui ont des petits. J'aurai des springbok qui n'ont pas de notation. Voilà. Une femelle, pas terrible, à vendre. Ok, elle. Un mâle, pareil, à vendre. Ok, très bien, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Tiens, pourquoi ça m'a mis un V ici? C'est lui qui doit avoir un V. Ah! Voilà. Ok. J'ai cru voir que j'avais un facochère aussi. Ou un hippotrague. Ouais, voilà. Une femelle dorée. Ouais, non. Peut-être qu'elle pourrait me servir de reproductrice. J'en ai une reproductrice qui a 13 ans. C'est-à-dire qu'il faudra que je change le mâle, pourquoi pas. J'avais déjà décidé de garder ce mâle-là, moi. Qui a des bons gènes. Bon, donc on va la vendre. Ouais. On va la vendre, hop. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous avez vu? Là, je mets un V. Ça édite aussi. Celle-ci s'appelle Alag V. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bug? Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Ah! J'ai des gorilles qui s'appellent Alag V maintenant. Pourquoi? Bon, ils sont à vendre quand même, mais... Enfin, ou du moins non, eux ils sont pas à vendre, eux ils sont censés mourir. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, on va pas les renommer par là. Alors attendez, si je renomme... Putain, qu'est-ce que c'est que ce bug? Oh mon dieu, alors là, celle-ci, on va pas renommer par ici. Non, non. Hop, là, je la renomme V. Ok. On est d'accord. Ok, donc elle s'appelle bien Alec V maintenant. Non. C'est quoi cette...
Qu'est-ce que c'est que ce bug? Alak V. Ça veut dire que tout... Oh, putain. J'espère qu'il n'y a pas ce bug depuis un moment, parce que ça veut dire qu'il faut que je me retape tout. Ah mais c'est un hypotrack, c'est pas un springbok. Quelle horreur. Hypotrag. Alak V, ça l'a bien renommé ici. Et les gorilles là, on va laisser mourir. Moins que ce soit des reproducteurs, je les ai laissés. Ouais, elle, j'ai dû la laisser, ça doit être une reproductrice. Non, mais putain, mais je suis con, faut pas que je renomme d'ici. Alors ça, c'était un sacré bug, hein. Bon, j'en étais où moi? Les zèbres. Pourquoi je retrouve pas ma... Ah, mais c'est pour ça que je la retrouve pas, ma femelle zèbre. Parce que ça se trouve, ça l'a renommée aussi. Zèbre. Oh là là. C'était laquelle? Elle venait de l'étranger, ça doit être celle-ci. Non, c'était pas elle. Elle est passée où? Je comprends pas. Je comprends pas. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Elle est toujours en transit, c'est ça? Alors attends, lui va être adulte. Ah, a eu des petits. Alors, Variru a eu des petits. Oh merde. Gestante. Ah, reproductrice, c'est bien. Ok. Zèbre des plaines a eu des petits. J'ai rien compris ce qui vient de se passer là. J'ai acheté un zèbre à 5000. Et il n'est pas dedans. Pourquoi? Pourquoi je ne la vois pas? C'est elle, non? C'est un mâle. Mal. Alors eux viennent de naître. Lui, la Dodie vient de naître. On le vendra, lui. Lui, il vient de naître encore aussi. Et on va le vendre aussi. Ok. Lui. Il est au centre d'échange, lui. Lui, c'est celui qu'on a mis en vente à 3000. Elle, on a dit qu'on allait les vendre. Toc, toc, toc. Putain, mais elle est passée où, l'autre? Celle que j'ai achetée, elle a disparu en fait. Fantastique. Mais bordel. J'en ai marre. Putain, mais j'en ai marre. Vas-y, un zèbre à 5000. À moins que j'ai fait une connerie ici, là. Que je l'ai revendu ou je sais pas quoi. Je l'ai revendu comme un débile. Faut que je regarde le... Faut que je regarde le replay. Merde. Trente-sept? Sérieux, 37. 100. Vas-y, à 100, je l'adopte. Je me pose même pas de questions. Envoyé dans le zoo. Zèbre.
C'est là, hein? Attends, mais non, j'ai envoyé ça n'importe où, moi. Oh là là, je suis fatigué. Annuler le déplacement. Envoyer dans le zoo. C'est... Je suis perdu, c'est là. Là. Voilà. Je l'ai déplacé n'importe où. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle femelle. Alors, attendez, on met pause. Qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe plein de choses. J'ai eu des bébés varirou. Varirou zèbre. Varirou phacochère. Varirou. Elle est adulte, on la vend. Hop, on se pose pas de questions dans ces cas-là. A eu des petits. Alors attendez. On a dit varirou. On va faire le point ici, hein, c'est simple. Ça va vite. Là, je me suis pas occupé des dingos, faut que je le fasse, faut que j'en rachète des dingos. C'est un peu le bordel, les dingos. La girafe. Alors. Hop, hop, MM. Et lui, on le vendra, ouais. Ok. Alors, j'ai cru lire Hippotrag. Ah, les gnous. Les gnous ont eu des petits. Femelle. Hop. Wop. À vendre. Non! Ne pas renommer d'ici! Putain de merde. Là, on touche plus ici. V. Ok. Elle, à mon avis, c'était un M. Elle, à mon avis, c'était un M. Voilà. Ok. Ça me l'a pas. J'aime pas quand il y a des noms en double comme ça. Alors. Voilà. Celle-là. V. Ouais, c'est bon. Celle-là, Lutalo. Voilà, vendre aussi. Hop. Voilà. Hop, on descend. Tata, ici. Hippotrag. Un mâle qui est pas trop mal. Lui, on va le garder. Là, ils ont tous des trucs social stress, ça arrive. Ok, alors là on est bon. Ah, j'ai eu des bébés lions. J'ai eu des bébés lions. Toi, femelle. Attendez, hop. M. Ok. Femelle. À vendre. Hop. Alors, je vérifie un truc quand même. Si je fais ça et ça. Les lions. Ouais, c'est bon, ça renomme comme il faut. Ok, j'ai vu que les phacochères ont eu des petits aussi. Alors, tac. Bon, fertilité à 1, on vend direct. Ok, c'est bon, il y en a encore un là. Allez, hop. On va même pas vérifier, on s'en débarrasse direct. C'est bon. Là, varirou, j'ai eu un petit aussi. Pareil, on s'en débarrasse. Il y en a encore un là, un mâle. Hop, lui, on le vend aussi. Les mâles, on les garde pas du tout. On s'embête pas. On les vend direct. On va peut-être en garder un de plus là. Clac. Varirou.
C'est pas trop mal, mais. Oh là, les variables, mais c'est des. C'est pire que des lapins. C'est pire que des lapins. On vend. Ça fait des bébés à tire-larigot. Les zèbres. Ah, donc là, il y a elle qui va arriver. Elle, ça va être ma reproductrice. Parce qu'elle, elle a des bonnes stats. Donc elle. Non! C'est bon, il n'y en a pas une qui s'est appelée Umaya R entre temps là. Ça a l'air d'aller. Alors, Umaya R. Donc elle, ça va être ma reproductrice avec lui. Et les autres, tuk tuk tuk, c'est bon. Les éléphants, c'est bon aussi. J'ai un mâle reproducteur et trois femelles. Reproductrices, même si elles n'ont pas de médaille, c'est pas grave. Ben voilà. Je pense qu'on est bon là. Enfin. Enfin, enfin. Ce que je voulais juste voir rapidement, c'est par exemple, je prends lui. Optimisation 72, ça passe. C'est juste, mais ça passe. Ah, il faudrait des alimentations un peu. Vous savez quoi, on fera ça la prochaine fois. Ou je le ferai hors vidéo. Ah oui, je vous ai pas montré aussi d'ailleurs. J'ai un peu fait quoi d'ailleurs? Ah oui, bah oui. J'ai fait ce bâtiment là. J'ai un peu amélioré là. Je suis en train de faire des petites barrières en corde là. Que je vais faire un peu partout tout le tour. Touk touk touk, ici, là aussi, sûrement. Voilà. Là aussi le long, je ferai des barrières en corde comme ça. Et ce bâtiment-là sera terminé. Et je suis bien bien content. Pour le bateau. Voilà ce que j'ai fait la dernière fois, je crois. Hors vidéo. Je crois que c'est tout. Ouais, j'ai un peu fait ce mur là aussi, je crois. Enfin, voilà, j'ai un peu décoré ça, quoi. J'ai passé un peu de temps sur ce bâtiment-là. Voilà. Ok. Donc là, la prochaine fois, ou hors vidéo, il faut absolument que je gère, que je prenne mes animaux un par un et que je gère les optimisations. Il y en a certains, je pourrais pas, parce que j'ai pas encore débloqué leurs optimisations. Oh. Oh, je suis désolé, je suis fatigué. mais ça, c'est la prochaine chose à faire. Voilà. Donc, et bah sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!